C'est l'hécatombe. Mes fourmis meurent les unes après les autres, ça fait des mois que ça dure et ça me brise le cœur. Je peux pas juste laisser ça comme ça, je dois faire un choix. Mais lequel? Les congeler? Les relâcher? Si je me trompe, ce sera vraiment problématique. Venez, on va voir ce que j'ai choisi et le challenge que ça a créé, évidemment. Pour rappel, la reine est morte pendant l'hiver. J'étais dévasté de voir ces milliers d'orphelines. Et quand j'ai vu Paulette, notre aventurière préférée, s'accrocher toute mandibule dehors au reste de sa mère, ça a été terrible. Ça lui a fait un choc. À moi aussi. C'est la faute à pas de chance. C'est arrivé pendant le repos hivernal, alors que le gros de la colonie et du couvain a survécu. C'est comme ça maintenant. J'ai enterré la reine et gardé ses filles dans leur nid jusqu'à ce que tout le couvain devienne de fières aventurières. À partir de là, elles ont essayé de s'évader, encore et encore. Je crois qu'elles voulaient me faire comprendre qu'il fallait vraiment prendre une décision, maintenant. Qu'elles voulaient pas continuer sans leur reine. Au début, je voulais les laisser s'éteindre tranquillement de vieillesse. Mais c'est morte. C'est trop dur. Les voir mourir à petit feu, les unes après les autres. Même si c'est le cours naturel des choses. J'ai le cœur un peu fragile, je crois. Et je vais pas supporter ça longtemps. C'est quoi mes options? J'ai pensé à les congeler. Une mort rapide et indolore plutôt qu'une mort lente. Ça me briserait le cœur de faire ça, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Je pourrais leur trouver une nouvelle reine. Sauf que, ben, je sais que c'est le genre Tetramorium, mais je connais pas leur espèce précise. Tetramorium alpestre, Caspitum, Immigrant, et j'ai pas les moyens d'identifier l'espèce. Si je me trompe, ce sera un carnage. Et même si j'avais de la chance de trouver la bonne reine, elle aurait pas la même odeur que les ouvrières, et les chances qu'elle se fasse déchiqueter sont énormes. Je crois qu'il faut accepter ce qui s'est passé, que la colonie est condamnée, même si c'est terrible. Je peux aussi les libérer, j'ai trouvé la reine près de chez moi, donc pas de risque de bouleverser l'écosystème. Enfin, il y a quand même un danger. Après avoir grandi en captivité, elle pourrait infecter la faune locale avec je sais pas quoi qu'elles auraient attrapé chez moi. Je réfléchis trop, ça va dans tous les sens et je me sens perdu. Mais quand je vois cette hécatombe, il faut que je prenne une décision. Et je crois que j'ai trouvé une feinte. J'habite dans les hauteurs d'un immeuble. Comment ça, il n'y a pas de lien? Mais si, une plante de mon balcon, la même que celle où j'ai enterré la reine. Ça permettrait à la colonie de finir sa vie de belle manière en découvrant le grand dehors, le vrai, sans risque. Sauf qu'elles m'ont déjà montré leur capacité à partir à l'aventure et j'ai peur qu'elles recommencent. Il faut sécuriser le pot. Mais comment? Je dois penser à tout, sinon mes efforts serviront à rien. Déjà, j'éloigne la plante de la barrière pour pas qu'elle fuit par là. Et je mets de l'anti-évasion pour pas qu'elle quitte le pot. D'habitude, j'en mets sur des surfaces lisses, c'est assez efficace. Mais est-ce que ça va marcher sur une surface rugueuse? Je sais pas. Et est-ce qu'elles vont pas creuser et sortir par le trou d'évacuation de l'eau au fond du pot? Elles en seraient capables. Dans le doute, je crée une barrière d'eau. Je suis confiant. Mais vous savez bien, c'est rarement aussi simple et je vais avoir des problèmes inattendus. Évidemment. À commencer par les faire sortir de leur nid. Au dernier déménagement, ça leur a pris des semaines pour quitter le nid, et j'avais dû les encourager un peu. Là, elles ont une journée à disposition, ça va être hyper tendu. Je dois faire ça en deux temps, les ouvrières du nid, puis celles de l'aire de chasse. Évidemment, certaines en profitent pour filer, les petites crapules, et je m'empresse de les ramener à bon port. Enfin, j'essaye. Bon, comment on va faire ça? Le mieux, c'est de relier le nid à la plante avec un tuyau, et comme elles ont tendance à n'en faire qu'à leur tête, et que je veux être sûr qu'elles aillent dans la plante, j'enduis la rallonge d'anti-évasion. Ça évitera qu'elles remontent le tuyau par l'extérieur, hein. J'espère, en tout cas. Une partie de la colonie s'agite et s'excite. Elles sentent que quelque chose se trame. Le reste du nid reste calme par contre, ça va être un problème. Bon, allez, une chose à la fois. Les plus téméraires se lancent et se rendent compte que... Ah, oui... Il y a du vide. Et la première aventurière à découvrir le vaste monde y est tombée. Bon, bon, bon. La surprise passée, cette tête brûlée commence à explorer cet endroit inconnu. Quel entrain. Les autres, elles, ont compris qu'il y avait une tige. Si elles sont tout d'abord méfiantes, rapidement les exploratrices autoproclamées atteignent le sol et commencent à cartographier le monde. Il faut voir si ça mérite l'attention de la colonie entière. Une passerelle supplémentaire les aidera sans doute. Je suis confiant. Alors je m'installe, avec un verre de sirop et un livre. On va voir ce qui se passe. J'aurais pas eu le temps de lire longtemps. La majorité des fourmis restent dans le nid, sans bouger. C'est sûrement les plus jeunes, qui sont prévues pour l'entretien du nid et du couvain, quand il y en a. Et oui, c'est les plus âgés qui sortent explorer le monde normalement, parce que leur perte serait moins dommageable pour la colonie.
Mais là, il n'y a plus rien à entretenir, il faut sortir, mesdames. Comment je vais les faire aller contre leur instinct? Ça sent le moment pénible. Mais je laisse ça à mon moi du futur. Pour l'instant, on va déjà s'occuper de l'air de chasse. Rapidement, ces aventurières rejoignent la plante. Trop bien. C'est l'occasion de voir que les décès s'enchaînent encore. Tellement d'ouvrières qui meurent de vieillesse. Je suis vraiment content qu'elles puissent voir autre chose avant la fin. Bon, elles nient dans tout ça. Il faut une solution avant la tombée de la nuit. Ça sent l'aventure. Ouais. Avant d'être dans ce nid, ma colonie était dans celui-là. Bien plus petit, évidemment. Et elles avaient résisté au déménagement, mais à force de divers subterfuges, j'ai réussi à faire déménager en douceur le gros de la colonie, le couvain, et surtout, feu la reine. Mais cette fois, j'ai pas le temps de faire tout ça. Je dois trouver une solution rapide et efficace, sans blesser ces dames. Bon, je crois que j'ai pas le choix. On va ouvrir le nid, sauf qu'il est grand, qu'il y a beaucoup de monde, et que les opportunités de fuite vont être légion. On se prépare à bien s'amuser. Je commence par faire comme je peux avant d'ouvrir le nid. Et oui, je suis inquiet qu'en dévissant le nid, mes aventurières prennent leurs pattes à leur cou entre les plaques de plexiglas qui se décollent. Je suis hyper concentré et surtout tendu. En plus, il fait chaud. Je m'amuse moyen. Pareil pour elles, je pense. Heureusement, j'arrive finalement à enlever la plaque supérieure, à déloger les résistantes, constater qu'elles ont bien dégueulassé le nid que j'ai nettoyé pour l'occasion. C'est l'heure de se préparer pour la suite et de constater les derniers problèmes. Elles sont vraiment pas malignes. Je me retrouve donc avec un saladier rempli de fourmis et c'est à chaque fois bizarre à dire comme ça. Bon, et comment on va faire maintenant? Pas le choix, hein. Ça commence à devenir une mauvaise habitude. Ça doit leur faire l'effet d'une fin du monde, mais ça sera bref, et ça en vaut la peine. Regardez-les s'agiter, je crois qu'elles sont contentes. Et moi aussi. Elles vont finir leur jour dans de belles conditions. Et avec tout ça, vous avez vu Paulette? Est-ce qu'elle a pu retrouver sa joie de vivre? Et si je la retrouve, qu'est-ce que je fais? Vous en pensez quoi? J'ai ma petite idée, mais d'abord, il faut s'assurer que ces aventurières arrivent à une belle mort. Pas comme ça. On en parle une prochaine fois. Quand j'y repense, c'est fou tout ce qui s'est passé depuis que la reine est morte. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe quand une reine meurt? La réaction de la colonie a été vraiment touchante. Faut vraiment que vous alliez voir ça ici. Je vous raconte les semaines qui ont suivi cette triste découverte. Sinon, YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo. Alors bon, pourquoi pas vous laisser tenter aussi, hein?